Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Spatial Tactics. On va attaquer le défi. Alors, détruire deux consoles durant le même tour, pendant 20 tours, ne pas utiliser le pouvoir psychique barrière de force de notre psycheur. Ok. Strike team status. We have breached the hull of an Eldari starship, deep in the mass of the space hull. Understood, brother sergeant. You should be able to turn any Xenos energy sources to our advantage. Hold. My all specs show strange readings. I'm detecting rising energy levels in all directions. In the silence. Through the ether. I hear... Confirming. We detect the same energy pattern. The subsystems of that alien craft are still functional. Indeed so. I am familiar with these patterns. I believe Sergeant Tahariel's strike team has been detected by an automated defense system. I see no weapons, no threat. Explain, Inquisitor. Un système de défense automatique Eldar. It is a final defense mechanism designed to prevent the capture of an Eldari vessel by invaders. When enough energy has been gathered, it will trigger a catastrophic vortex implosion. If you are within the energy penumbra, you and your warriors will be dragged into the warp. I suggest a speedy withdrawal. Brother Captain, retreat is impossible. The bulkheads have sealed behind us. It's a trap. The Eldari strike at us from their graves. Voilà, pourriture Xeno qui veulent nous tuer même s'ils sont plus là. You must find a way to deactivate the system. Wait. New contacts detected. Xeno's life signals are converging on your position. Gene stealers. Alors, garde préventive, Lexicanum. Oula, regardez-moi cette map. Alors, ce que je vois, c'est un énorme H. Vous voyez l'énorme H là? Du coup, c'est pas si dangereux que ça. Vu qu'il y a 4 sorties de blip pour 3 passages. Et enfin, là il y a des longs couloirs. Donc c'est pas dangereux. Parce qu'on peut les garder sous Overwatch. Le gros problème là, c'est qu'on a 2 blips dans le dos. Et ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce qu'on peut pas laisser un qui regarde là, un qui regarde là, 3. Qui bloque et deux qui bloquent. Vu qu'il y a 7 sorties, forcément ça n'ira pas. Par contre, on peut considérer que si on bloque ici, plus ou moins, disons ce que cette croix là, on peut facilement avancer en couvrant vers le bas et vers la droite. Oh là là. Alors, ils sont où les boutons? Ça doit être ici en bout de couloir, ici aussi. Donc, ouais, c'est dans ces salles, hein, obligé. Le but, ça va être de faire ça. Et aller appuyer sur le bouton. Ou détruire le... Ouais, détruire. Durant le même tour. Donc, il y aura des tirs à faire. Et les tirs, faut pas qu'ils ratent. Intéressant. Okay. Alors, pour l'équipe, on peut prendre une griffe énergétique. Hein, ça poserait pas de problème. Petit Carnephomos, il nous faut quand même notre Lexicanum, hein, même si on n'a pas le droit d'utiliser sa capacité de champ de force, ce qui va être pas pratique, hein, ça. Alors les deux là, Canariel, Madriel, on va juste regarder Armando, Caraniel, plus 1 pour tous les tirs visant une porte, plus 1 de défense contre les attaques de mêlée. Porte, Caraniel, non. Il nous faut Armando, mais il nous faut Armando avec son arme. Donc on va lui mettre un fulgurant à Armando et module. Plus 2 pour les tirs soutenus. Ok. Ouais, il a pas la tronçonneuse, donc on saura que c'est le tireur qui a les tirs soutenus. Ils ont quand même un plus 1 les deux. Et lui, on va lui mettre la garde préventive, donc d'accord. Et le plus 1 en position défensive. Donc le tronçonneur, lui, a la garde quand il se met en surveillance. Activer la surveillance, activer également la garde. D'accord. Ouais, c'est les deux là qu'on va prendre. Donc Madriel, Armando. Pas Caraniel, mais Madriel. Et Armando. Hop. Voilà. Le sergent, le lexicanum et l'apothicaire.
Alors ça, depuis le patch, vu que les aliens vont être plus agressifs, je pense que ça va être sympa. I have located what appear to be two power nodes on the Eldari ship. Destroying them should stop the energy build-up and neutralize the defense system, but you will need to act quickly. Send in coordinates, Brother Sergeant. Find those targets. Be aware, this will not be a simple act. The Eldari are always scheming, always difficult to overcome. What do you mean? Both nodes must be destroyed in rapid sequence, Blood Angel. Any delay in obliterating them will cause the vortex implosion to initiate prematurely. Acknowledged. Squad, break formation for attack. Ouais, romper la formation, c'est pas cool. Je prends la tête du second groupe. Ok, donc sergent d'un côté et lexiconum de l'autre. Ce qui paraît logique, hein. Il faut de la puissance de feu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En gros, on a 10 points pour aller à cette porte. 1. On ouvre avec un copain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on a le même mouvement de chaque côté. Bon, ben, c'est parti. Lexiconum apothicaire de ce côté-là. Teleportation completed. On aurait pu tout passer par le centre, hein. Mais je pense que lui va pouvoir faire. Ah bah non, on peut pas faire de barrière de force. Donc l'apothicaire va devoir se battre. Ouais, il est pas si mauvais que ça au combat, mais on va protéger l'arrière de notre lexicanum. Et devant, on va mettre le sergent et les deux assauts marines. Oh là là, on va se faire encercler tellement là. Je me dis aussi qu'on pouvait casser les portes, mais finalement on va essayer de casser que les portes qui nous mènent à nos objectifs. Waouh! Oh là là! Alors, carte à 4 qui donne du psy. Plus 1 sur ses attaques jusqu'à la mort. Prochain assaut frontal, il sera tué automatiquement pour 0. Plus 3 points de psy pour chaque gen stealer tué. Hein? On va devoir la convertir celle-là, hein, dommage. Alors, celui qu'il faut qu'il reste derrière, faut qu'il puisse activer sa garde. Donc ça va être notre tronçonneuse qui reste derrière. Donc on va ouvrir avec la tronçonneuse. Avancer avec le sergent. Il faut qu'on avance au moins jusqu'à la porte. Je laisse la porte en face intacte, hein. J'essaye pas de la détruire. Là par contre j'aurais pu le faire en deux fois pour avoir un tir gratuit. Là, je viens de perdre un tir gratuit, espérons qu'on la tue direct. Non, bon. On va garder les points. Là on va derrière. Là on peut aller en Overwatch, mais je crois pas qu'on ait besoin. Quoique, on perd un point de mouvement. Alors, le lexicanum. Hop. L'apothicaire. Hop, là il nous faut un point pour l'Overwatch. Un Overwatch de deux cases. S'il se déploie là, 1, 2, 3, 4 pour ouvrir la porte, 5, 6. Même s'il se déblipe vers l'avant, ça lui fait 7 ici. On n'est même pas obligé de se mettre en Overwatch, mais on a un point d'action. Allez, si je m'avance, par contre, il peut m'attaquer sur un des blips de 2. Donc, il faut pas non plus prendre de risques. D'un autre côté, on a 3 points d'action. Je peux tourner le lexicanum, tirer sur la porte, avancer, ça ferait 2. Et avancer de 1 ici en diagonale. On gagnerait carrément du mouvement. Alors, le problème, c'est tirer sur la porte qui, s'il marche pas, on tournerait. Bah, on garderait le point. On pourrait se mettre en Overwatch. Ok. Non, je crois qu'il faut avancer ce groupe-là un peu plus pour que lui perde pas de mouvement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir cette porte, avancer de 1, avancer de 1, avancer de 3. Oh, c'est moche. On sacrifie l'un pour l'autre. On est obligé de sacrifier un groupe. Bien que cet Overwatch soit pas utile parce qu'il avancera pas finalement, il va rester derrière la porte. Non, je crois qu'on va, pas sacrifier celui-là, on va ouvrir ici. Parce que le groupe de 3, là, je le sens qu'il sera plus en danger que le groupe de 2. On ouvre, on avance. On avance. Et du coup, lui, on perd rien.
parce qu'on avance de trop. Ok. Et ici, on s'arrête là. En fait, je pourrais me tourner pour gagner un point de mouvement pour le prochain tour. Quitte à... Parce qu'on va avancer dans ce sens. Admettons. La carte à zéro. On va la garder. Hop. Un peu triste de pas faire tourner les cartes, mais elle est bien. Ça permet de tuer un ennemi, mais ça permet aussi d'avoir une carte à 4. Oh là là, 3 blips à gauche. 2 en haut. Bon, par contre, le lexicanum et l'apothicaire vont être tranquilles ce tour, je pense. On va juste les avancer un tout petit peu vers l'objectif, sans soucier absolument pas des stylers. Alors, ok, ça avance. Ça va, il se bloque un petit peu le passage, mais c'est normal. Hein. Dans des couloirs comme ça, avec des portes, forcément le premier crame des points et ralenti. Ok, je regarde juste si on a la portée pour la tempête. On a la portée pour lui. Ah, à une case près, on pouvait tuer l'autre. On pouvait tenter l'autre. On peut pas faire autre chose que la tempête ou la hache, hein, donc... pour aider les copains, c'est un peu la seule option. Par contre, si je m'avance vers le haut, je dois pouvoir. Donc, on va se tourner. Tirer gratos. Joli. Avancer de 1. Tempête. On a tué un blip. Sur les deux, ok. C'est pas mal. Pas mal. Peut mieux faire quand même. Alors là, on pourra avancer en diag. On peut même ouvrir la porte, hein, je crois. Par contre, ils sont pas venus dans notre dos et il y a toujours la porte fermée. Donc je vais dire qu'on est bien là-bas. Ici, par contre, on est moyennement bien. Soit on met le sergent là et on regarde vers le bas et on laisse passer la submarine. Soit j'utilise la submarine, mais à ce moment-là, notre Overwatch, il est que dans l'angle. 1, 2, 3... Ah, on pourrait pousser. Écoutez, le sergent, on va détruire la porte en face et puis on sera. C'est un mouvement technique. On peut lui faire son mouvement normal. Et on peut changer de marine facilement pour qu'il ait son tir gratuit, voilà. Donc là, il a ouvert la porte au sergent. On va pouvoir refaire un mouvement normal. Tirer au fond. J'aurais pu le faire après, mais on a eu de la chance. Voilà, donc là on est dans une situation un petit peu complexe. On a des blips dans le dos, des blips de face, et on n'a pas assez de points, bien sûr. On a une carte à 4 qui peut nous donner un kill auto sur lui, mais ils peuvent attaquer mon sergent de dos. Sachant que je peux sacrifier qu'une carte à 3, avancer mon sergent, et là les blips ne nous choperont jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je l'avance de 2 pour être tranquille, et vers la porte c'est vachement bien. Cette carte, plus 1 pour toutes ces attaques de mêlée jusqu'à la mort. Il n'y a pas trouvé cette carte sur le sergent. On va... sacrifier la carte à 3 seulement. Alors si je sacrifie la carte à 3, je peux pas avancer de 1 ici. 1, 2, 3, 4. My fear is to fail. Mon objectif c'était aussi de faire ça et souder la porte. 5 et souder la porte. On a combien? On a 4. Ça nous coûterait que 1 et il me faut 2 pour l'Overwatch. Par contre, l'Overwatch avec tout ce nombre de blips là, on va faire le tir gratos. Je voulais pas tirer dans la porte parce que ça leur coûte un point d'action. Mais si je tire dans la porte, mon Overwatch tirera plus loin. Le problème c'est que mon Overwatch, j'ai pas une carte pour faire qu'il soit infaillible. Mais s'ils ouvrent la porte, de toute façon, il y aura 1, 2, 3. Si j'y arrive pas avec ça, c'est que j'y arriverai jamais.
Donc on va garder nos points. On va sacrifier cette carte. Overwatch comme ça. Là on pourrait faire 5 de mouvement. Je peux m'avancer de 1 et aller me le faire. Voir combien ils sont. Ils sont 2. 2. Ok. Pire gratuit. Raté. Okay, on l'a eu. Alors là j'ai deux options. Soit je continue à tirer, il me reste deux tirs sur le marine, donc un tir normal, un tir soutenu. Ou alors je me mets en overwatch, sachant qu'en overwatch j'ai la garde cadeau. Mais le problème c'est qu'on n'aura pas de tir soutenu, parce qu'il avance que d'une case, donc on aura un tir normal. On n'aura pas le plus de tir soutenu du... Ah non, c'est lui qui a le plus de tir soutenu. Oui, donc eux ils passeront pas, c'est clair et net. Bon, après on a toujours la carte qui reste, hein. Ouais, on peut utiliser la carte, ok, on va faire ça. Donc on va faire les deux tirs, en espérant tuer en... au minimum. Ok, dommage. Ah, j'y ai cru. Tir soutenu par contre, qui passe, très très bien. Donc il a plus de points d'action, et c'est possible que ça attire l'attention des Steelers derrière lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez qu'ils veuillent le choper. Du coup, je vais pas utiliser la carte. Si j'utilise la carte, à la limite, ça serait sur lui ou sur le sergent. Le sergent peut pas se faire attaquer par deux faces, hein, là. Je crois pas. Donc, Lexicanum. On avance tranquille. Oh ! Qu'ai-je donc fait ? Non, j'ai fait une boulette. Fallait pas ouvrir la porte. Fallait que lui vienne là, avec le point suivant, et qu'il soude la porte. Bon, du coup, on va pas souder la porte. Juste avancer. Ou alors je me mets là et je commence à me tourner pour couvrir l'arrière. Ah, la boulette. La vieille boulette. De toute façon, ils peuvent pas nous rejoindre en un tour, hein. Donc c'est pas si gênant que ça. 1, 2, 3. Overwatch. On pourrait couvrir notre arrière, mais pas l'avant. Si je me mets là. Écoutez, je vais faire ça. Understood. On verra bien. On pourra toujours souder au prochain tour, hein, si jamais pas d'ennemis en se tournant, on soude, on se retourne et puis on avance de deux. Ok. Ben fin de tour. Est-ce que je mets la carte quand même au cas où? Si jamais il rate ses Overwatch, vu qu'on a dépensé le point de truc, il pourrait s'enrayer. Mais s'il s'enraye, c'est clair que c'est notre sergent qui va mourir. Mais dans le doute. Où il décide quand même d'attaquer lui. On met une case de plus. Oh là là, c'est moche. Mais bon, ça nous donne 3 cartes, dont une à 4. Sergent peut survivre en se faisant attaquer dans le dos. Voilà, il a des blips vers l'avant, vous voyez, donc c'était malin. Là, on le force à des blips. Et on est enrayé. Et il attaque le sergent dans le dos. Oh là là. Ouais. Ouais, c'était parfait, on a enrayé au premier tir. Mais bon, on en a tué un quand même. Vous voyez l'enrayement au premier tir parce qu'on n'a pas gardé le point ici, parce que j'ai ouvert la porte. Bon, je l'aurais dépensé de toute façon, hein, mais d'accord. Mais... Ah, du coup, ça va être compliqué là sans le sergent. Bon, ils ont laissé complètement le lexicon à me faire par contre. Mais Lexicanum ne sert à rien tout seul. Hein. Ici, il n'y a pas de blip. On va juste se tourner. Voilà, on est prêt ici. Pour détruire l'objet. Ici, on n'est absolument pas prêt. Mais du coup, c'est à la submarine d'y aller. C'est à Madriel d'y aller. Du coup, on va là. Il faut tuer là-bas, même si il y a, je sais, un Steeler dans mon dos. Faut simplement ouvrir la voie, on s'en fout. On avait plus un en plus, hein, sur notre sergent.
avec la carte. Mais vous voyez, ça n'a pas suffi. Brito, il a même pas gagné un dé. Du coup là, est-ce qu'on tire? Est-ce qu'on avance en tirant? Je crois qu'on avance en tirant. Si je me mets en Overwatch, je serai en garde, mais bon, il y a lui derrière là, qui va nous tuer. Non, je crois qu'on avance en tirant. On fait un tir soutenu là, parce qu'il veut pas mourir. Ok, pas le temps de tuer des Xeno. On n'a pas le temps de niaiser, on en a un dans le dos. Par contre, celui qui nous a tué, ouais, il est mort. Et l'autre blip, ça avait reculé, hein. Donc lui, à la limite, même s'il nous tue notre tronçonneur, c'est pas grave. Il faut qu'on pousse là-bas. Alors, plus 3 pour ses attaques de mêlée jusqu'au prochain tour. Plus 2 pour ses attaques de mêlée jusqu'au prochain tour. Sa prochaine attaque de mêlée sera automatiquement un succès. 2 points, on les a pas. Donc on va convertir cette carte, ou alors je convertis celle à 4. Ce qui est triste, mais ça nous peut-être nous donne plus de chances de réussir la mission. Ah, oh, c'est moche. Juste pour gratter un point de mouvement. Mais bon, si on réussit la mission grâce à ce mouvement, on sera content. Voilà. You should be close to the primary power node. Remember, both must be destroyed swiftly, or all will be lost. Pas de soucis. On a une tronçonneuse? Non, c'est pas le tronçonneur. Donc on n'a pas de bonus. Par contre, lui, il va mourir. Donc on va juste lui mettre le plus 2. Vous voyez, pour un point de mouvement, j'ai sacrifié un plus 1 sur son jet de dé. Hein. Mais bon, on va quand même essayer de le sauver, hein, bien sûr. Voilà, et là, on n'a rien d'autre à faire. On aura au minimum une carte à 3 qu'on pourra pas utiliser de toute façon. Donc on n'aura pas les points de commandement. Ah, sans le sergent, c'est dur. Allez, faut qu'ils réussissent les assauts marines. Bon, là, je crois par contre qu'ils se déblipent un petit peu trop. Allez, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Il est dans le rouge, notre marine. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il est peut-être colère. Ouais, c'est peut-être la carte qui a un effet visuel pour qu'on voit qu'il est boosté. Oh là là, il prend ses aises sur le déplacement. Hein. Ouais. De toute façon, on va y aller le tout pour le tout là. On rentre dans la pièce, on canarde le machin et on espère tuer avec. De toute façon, lui, il peut laisser le faire au contact avec 2 points d'action supplémentaires. Donc en fait, tout va se coordonner sur celui-là. On avance, on tire sur l'objet. Oh, on a fait 6. Donc il y avait bien un jet. Hein. Ok, donc on a fait 6, tout va bien. Il peut passer par le téléporteur, donc en fait, on va se mettre là. Se tourner pour se protéger là-bas. Ouais, on va le faire, mais calmement. On va faire les autres d'abord parce que j'ai un petit peu une vengeance quand même. Alors, juste pour être sûr que mon pote se fasse pas récupérer, hop, on referme cette porte. On se retourne. Alors, c'est toi qui as tué mon sergent? Non. Plus de ses attaques de mêlée jusqu'à son prochain tour. Voilà, lui on est bon. Et ici, si je vais là, j'ai un tir gratuit. Après, c'est que des tirs soutenus. Au bout d'un moment, je l'aurai. Hein. Mais si je m'avance, lui pourrait faire 1, 2 tirs normal, tir soutenu. Parce que on peut très bien se rater. Hein. Faut pas croire que c'est automatique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer déjà, faire le tir gratos. C'est raté. Avancer. Faire le tir gratuit. C'est raté. Ah, on peut l'attaquer à cache. Activer la HEPSI.
attaquer au corps à corps. Resolve sharpens your mind. The vortex energy has dissipated. The weapon is dead. Well done, kinsman. Do not declare victory so soon. This is not over yet. What say you? Another Eldari trap. The scry senses are registering a powerful warp energy surge. Voices return. Doubtless voices. I'm deafening my mind. Nostalging my psyche. Perfect pitch. Oh là là. Alors j'espère que c'est une téléportation et non pas ce que je crois que c'est. Ok. Bon, on a récupéré tous les cadeaux. All tracking beacons are silent. Curious. It would seem a warp storm is forming. How very unexpected. Is that all you have to say, Inquisitor? My battle brothers are lost. Every one of them. And you speak of this as if it is trifling happenstance. Damn you for your arrogance. Ok. Donc là, on a perdu nos frères de bataille. De manière assez sanglante. On a une mission retour inattendu, réanimer deux Terminator. Ok, donc là on va essayer d'aller sauver nos frères qui sont pris la tempête Worf. Et on aura le machin qui ferme les portes derrière nous. Vous vous souvenez, c'est les clés. Donc plus on avance, plus ça se referme. Pourquoi j'ai l'impression que c'est déjà tout fermé les portes et que ça va peut-être s'ouvrir. Dans tous les cas, téléporte ici. Ah, c'est ces portes-là qui se ferment, ok. Bon, on observera, on regardera ça de plus près, mais à notre prochaine fois, merci d'avoir suivi, et à bientôt.